J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour Glacial. Bonjour Poltage. Oui, voilà. Les badges sont arrivés. Tu vois, on les voit pas très très bien, papy. Le badge rouge, tu vois, sur fond noir, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Excusez-moi. Pardon. Bonsoir. Bonsoir Glacial. Bonsoir Poltage. Salut papy. Tu le vois le J'essaie de badge en mettre un peu rouge, plus tu clair. vois? Ou en rose, hein, au pire. Ah Un ben truc un oui. peu fluo. Ok, alors, on... Ouais, il n'est pas très vite. Et bonsoir. Pardon, bonjour. On continue l'histoire de Papy et de Last Day of June, de sa femme June. Ça a l'air très très triste quand même parce que... Je suis pas convaincue. Je joue à la manette, oui. Je joue à la manette. Et donc on va continuer. C'est parti. Tout à fait. Et on en était donc à Drowix. Ah oui, on continue comme ça direct. Ok. Il est vénère. Il y a de très grosses lunettes. Que... Oh ma lunette! Oh ma lunette! Alors. Oui, les cartons, c'était le déménagement de sa voisine. C'est sa femme. Allez, c'est parti. Je m'y remets. Hein. Remember. Je me demande si on peut pas changer d'endroit. Au lieu d'aller à la plage, est-ce qu'on peut pas aller ailleurs? Parce que bah, ailleurs, rien de tout ça n'arrive. On décide de pas y aller, tiens, pour une fois, tiens, on va nulle part. Pas de problème. Drowix, attention, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, putain, le gamin. Exa! T'es pas le con, Exa! Ah, Droïc, ça a tout vu. Ah, ça, c'est la voisine. Oh merde! Oh putain. Ouais, l'accident, on peut pas l'échapper, quoi. Donc, on a évité l'accident avec le gamin. On a évité les cartons. Et là, maintenant, c'est Droïc qui nous fait tomber des pierres. C'est quoi cette embrouille? Ah, la plage. Oh là, il est vénère, papy. La plage, ouais, j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il foutait, Drowix? Ah, du coup, là, c'est une chute de pierre. Il veut vraiment sauver sa femme, hein, coûte que coûte. Oh là là, perdu un an. Et à cause de son accident. Ah, il lui a donné les... qu'elle aime beaucoup faire, c'est-à-dire les... de peindre. Ouvrir ou pas? Tu peux ouvrir ça parce que ça m'aidera pour tout à l'heure. Et papy. Ah! Un autre chemin avec une barrière. Et de voir pour ouvrir toutes les portes parce que les portes sont pas faciles. Oh là là, d'accord. Quand ils sont revenus, j'imagine. A perdu le bébé, quoi. La voisine, donc. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Super. Jolie, cette histoire. Ouais, c'est ça. Ok. Bon.
Alors vous avez envie de rigoler? Eh ben c'est pas avec ce jeu. Donne un autre chemin. Ah oui, alors ça c'est la maison de Drowix, vous voyez? Place ou pas? Le jardin, c'est pas un endroit pour... Ouais, voilà! Alors... Ah, voilà, Drowix. Ouais, allez voir là-bas si j'y suis. Ok, ben ouais. Ah, c'est à lui le chien, d'accord. C'est le loisir. Elle a repris goût à la peinture, malgré ce triste événement, du coup. Une porte bloquée. Non mais tu es libre de dire ce que tu veux. Après, Poltège est là aussi. Hein, n'oublie pas, hein, il a une épée. Et papy aussi, mais bon. Ok, donc là, on va voir ce qui se passe. Okay. En quoi Drowix a foutu la merde dans notre histoire? Quelle est son histoire, du coup? Pardon. Et moi, je suis un peu malade. De la climatisation. Au manoir, lui. Il peut être blindé. Lui. Pas qu'en peinture, quel arc de goût. Allez, c'est parti. Alors. Ah, alors Drowix. Dis-moi tout. Je suis bad. Ok, bon, coucou Loki. Loki Loki. Alors on va essayer de la sauver en... Voyons un peu ce qui se passe avec Drowix. Comment ça va Loki, Poltège Glacial? C'est un peu moins chaud aujourd'hui. Hein. C'est meilleur. À 15h, il est déjà 15h. Ah, Drowix. Alors, ah, pas Drowix. Là, okay, c'est une demeure. Apparemment, il y a des animaux morts, donc c'est un chasseur. Ouais, comme Drowix, hein, superbe moustache. Un oiseau. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah mais t'es sérieux? Ah c'est ça qu'il était en train de tirer depuis le début du jeu. Avec ça qu'il se fout de sa gueule. La pique en peut plus. D'accord. Pardon. Et vous voulez jouer avec moi? Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le time. Je peux pas, j'ai pas le temps. Un oiseau a tué là. Ah, et là, il se prépare pour partir. Je règle ce problème-là. Faut penser à tout dans le jeu, c'est-à-dire que chaque action a un impact sur malheureusement l'avenir de June et la mort. Intéressant. Alors.
Ah, l'oiseau. Alors. Oh putain, il est là. Oh, attends. Attends, Gaillard, j'arrive. Ok, c'est moi qui joue là. Donc c'est son père, je pense. Ah, c'est quand il était petit. Waouh. Ah mais c'est des tueurs en série, les gars. Ils tuent tous les animaux, quoi. Ok. Ah, un livre sur la moustache. Allez. Tuer un ours. Serial killer. Ah ouais, ouais d'accord, ok. Allez les gars, ils rigolent pas. Donc le piaf, à mon avis, c'est une chips. Hein. Bon, ça me paraît compliqué de. Alors, Drogue s'est vénère et il veut récupérer sa médaille. Ah, l'oiseau est là. Ok, donc il est dans l'arbre qui bouge. Par contre, lui, il y a des visages translucides. Des personnages et en fait ah, appeler le chien, mais le chien il est pas avec le gamin. En fait voilà, il y a des visages comme ça bleus là, juste on va regarder. Et en fait c'est des souvenirs de chaque personnage. Et c'est souvenirs de qui? Ah bah tiens c'est Dexa. Mais si je tire il va aller où le piaf? Il est où mon chien? Il doit être avec. Ah merde! Ah non, le gamin! Merde, le chien, il est avec le gamin, donc je peux rien faire là. Et je tire là, ça fait quoi? Pourquoi j'ai besoin du chien? Il y a des pommes qui tombent. Ah, il va aller dans tous les arbres. Appelez mon chien. Ok, on va essayer d'ouvrir des portes. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Ah, il y a quelque chose. C'est mon visage. Ah, c'est un souvenir de Droix. Ok, très bien. Hop, je prends 4 sur 20. Non, on n'est pas couché, les gars. Là, vous avez du temps. Ah, ça, c'est la voisine. Pas venue ici. On va ouvrir les portes. Pas de badge, ça fait bizarre. Bah, nous on s'y met parce que on a notre. On a une personne qui a sub et qui nous a dit ouais, c'est lamentable, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, ouais, j'essaye de faire les choses bien du coup. Ah, on peut lui dire bonjour? C'est comme ça qu'il salue le gars? Ouais, d'accord. Non mais c'est une très bonne idée. Une très bonne idée qu'a eu Glacial, mais apparemment à mettre en place c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un peu de temps. Heureusement il n'y a que Papy qui peut le faire car moi, j'ai ma patience légendaire. Alors, merci. Ah j'ai encore un visage ici. C'est moi ça? Mais non c'est le gamin. Et rends-moi mon chien toi, il est où le gamin? Je vais me rendre mon clébard tout de suite. Ah, ça c'est bon. Hop là. Le monsieur. Ouais, ouais, mais attends, tu vas pas rigoler longtemps, tu vas me rendre mon chien, toi. J'ai besoin de mon chien, petit. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais, Xa, là? Mais t'es sérieux? J'ai besoin de mon chien! Gamin! Gamin, je vais le tuer. Je peux pas tirer dessus? Cette porte est fermée, faudrait que je. Je fais un peu le tour. Hein. Bon, ok, bah on retourne. Ouais, mais ça va rien changer du coup. Ah, cette porte-là.
Ah, tu es très indulgent, Loki. Oui, le badge est bien, mais bon, il peut être mieux parce que sur fond noir, on voit pas très bien, mais là, on pouvait pas s'en rendre compte tout de suite. Tu vois, papy, il faudrait un rouge comme... moi, je le vois en rouge glacial. Je sais pas si tu le vois en rouge. C'est un rouge un peu vif, tu vois. Si tu veux garder absolument le rouge. Oui, mais j'en ai un que je... D'accord. Venir. Ah, ça me saoule, il veut pas me rendre mon chien, Exa. Vas-y, bute le vieux. Vas-y, on joue. Salut le vieux. Ah oui, il fait beau, hein. Pas les couilles. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où l'oiseau? Écureuil? Le mec qui est pas bien, quoi. Comment il court? Il est chelou, lui. Ah, il y a une porte là-bas. Ah, mais la clé, c'est le papy qui l'a, là. Le petit vieux qui a la clé. Il a une clé derrière, dans sa poche. Hein. Je la vois pas. Et je sais que c'est lui qui a la clé. Ok, donc, on va... Ah, tu vas stream glacial? Merci d'être passé, puis mon stream à toi. Le stream sur quoi? C'est pas indiscret. Il est où, vous? Il viendra pas. Hein. Ah non, il viendra pas, putain. Fais chier, Exal. Il est où l'oiseau là? Ah, il est là. Ah, puis là, je peux pas mettre le chien, d'accord. Allez, bim! Pas faire tomber des pommes, je vais pas le voir. Tant que j'ai pas le chien pour bloquer les arbres, c'est mort. Je m'étonne qu'il est vénère, Droix. Il est vénère. Ah merde! Ah, c'est pour ça qu'il est allé là. La médaille est là, ouais, mais du coup... Eh ouais, ça fout la merde. Faut que je récupère mon chien. Ouais, c'est pas bon. C'est vrai? Merde. Bah pourtant j'ai appuyé là. Ah merde. Pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu malade. Ah merde, c'est sur le micro direct. Pardon. Et pourtant j'ai fait... Eh, t'as vu, j'ai fait les choses bien. Mais pas dans le bon ordre. Ah ouais, non, mais non, ça partout là. En fait, il a pas besoin du chien, le gamin là. Et la voisine lui fait le klaxon. Ouais, elle passe. Par contre, ça tombe. Faut que je récupère mon chien. Donc, si je dois récupérer mon chien... Ouais. Si je dois récupérer mon chien, lui, il faut que je change son histoire. Je récupère mon chien. Est-ce qu'on peut pas avancer? Ah, si on peut. Voilà, on va revenir sur l'histoire d'Exa. Alors, je sais qu'il n'y a qu'une corde, mais on va lui faire le cerf-volant avec le vieux. Et on va essayer de pas jouer avec le chien. Oui, c'est moi qui ai choisi Loki. Parce que voilà, pourquoi Exa? Parce qu'il porte une casquette.
Pourquoi Drowix? Parce qu'il a une moustache. Et pourquoi Papy? Parce qu'il est chauve. Simplement. Il n'y a que la blonde, j'ai pas donné de nom. Et le grand-père, il s'appelle grand-père. Non, tu joues pas avec le chien, toi, non. Non, 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 non. Tu joues pas avec le chien, tu laisses tranquille le chien. Laisse le chien tranquille parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, hop, récupère ton souvenir. Ouais, c'est ça, ouais, rigole. Ouais, rigole, ouais. Là, c'est Keblo. Alors, il n'est pas chauve, il a très peu de cheveux. On peut dire qu'il est chauve. Il est un peu dégarni sur le devant. Mais il a des cheveux, hein. Il pousse dedans. Alors, hop là. Non, il est pas chauve. Bref. Parle de papy ou quoi là? C'est quoi? C'est stream de papy là? La fille qui se vénère. Mon exa là. Essaye de dégommer des trucs là. On n'avait pas été dans la propriété. C'est comme ça là. Allez hop, ça dégage. Il s'en fout total. Ah mais il peut pas passer dans la propriété. Et le tour pour moi? Fais le tour, fais le tour. Après, il n'y a rien pour toi là. Dégommer ici. En plus, il faut les 20 souvenirs de tous les persos. Enfin, les souvenirs de tous les persos, il y en a 20. Ah, bah oui, c'est vrai, il y avait un truc à lui là. Voilà. Là, c'est fait. Ah, on est presque à la moitié. Hein. Avance, avance. Ah, c'est exact, hein. Rire de la banane. C'est dalle, ok. Bon. Allez, cours, cours, cours. Je vais juste voir s'il n'y a pas d'autre chose. Là, c'est... De toute façon, les maisons, on ne peut pas rentrer. Ah, salut Drowix. Ouais, donc là, c'est la fameuse chute. Ouh, là. La musique est douce. Le paysage est un peu, on dirait un peu du pastel, un peu... Alors, moi qui ai des problèmes de vue, ça m'aide pas trop parce que... Un peu flou pour moi. Et bon, c'est voulu, hein. C'est le papy. Non, 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 tu joues pas avec le chien. Là, tu peux pas pousser parce qu'elle est trop lourde. Allez, tu vas voir le vieux là. Essaye de lui piquer sa corde là. Alors, on l'a déjà fait. Hein. On l'a déjà fait. Faut juste viser ça. Bim! Du coup, ça enlève la corde à la bonne femme. Ouais, putain. Vous voyez, il a une clé. Elle ouvre la porte certainement. Alors du coup, voilà. Là, on a le cerf-volant, mais du coup, la bonne femme, elle a plus la corde pour soutenir ses cartons. Mais avec Drowix, j'ai récupéré le chien. De pouvoir avoir... Non, il va pas vouloir te la passer la corde. Au petit exam, tu vois pas qu'il s'amuse. Tu veux lui prêter? Certainement pas. L'enfoiré. Oui, donc voilà, donc elle a plus la corde pour les cartes. Est-ce qu'on peut vraiment éviter? Est-ce qu'on peut éviter cet accident? Je ne sais pas. L'accident avec les cartons, pas avec Drowix, puisque le petit, il n'est pas sur la route, puisqu'il est occupé avec le grand-père. Et elle, par contre, elle arrive, et tout va tomber. Voilà. Accident. Il faut vraiment qu'elle ait la corne.
Donc lui, il a récupéré son chien, par contre. Et de... Non, ça se passe avec le chien. Bien avancé, c'est la misère. Allez, on va essayer de changer ça. Ok, donc ça on connaît. Allez, on est parti. On m'apporte. Ah, le chien est là. Ok, ça va aller. Ça va aller. Et voilà. Lock. Ok. Donc on va essayer de le niquer comme ça, l'oiseau. Donc là, viens. Chien, viens ici. Allez, viens là. Voilà, tu bouges pas, hein. Et ouais, mon gars, tu peux pas y aller, il y a mon chien. Bien, ouais. Je... Ah, mais on n'a pas fini, alors. Il est où, là? Il est là. Ah, là, je peux pas appeler le chien. Je peux l'appeler ici. Allez, Po. Popo. Futur chien de Hexa. Et bim. Ah merde. Ah, j'ai pas mis dans le bon arme le chien. Bah bouge pas, bouge pas. Je pense qu'elle est là. Je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Ok. Et je me suis trompé. Donc faut que je le mette à cet arbre là, le chien. Ok, ok. C'est dommage. Ok, on recommence. Là, le chien. Alors, porte, ok, donc le chien est là, super. Alors, tu dégages. Ah. Il est là, je vais appeler mon chien. Ah. On lui a fait peur. Alors, là, faut pas que je me trompe. Donc, c'était quel arbre? C'est celui-là. J'appelle mon chien ici. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de confondre Beats. Ah, d'accord. C'est bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, ah. C'est Papy qui fait des tests. Non, en fait, il fait des tests sur le Bite. Oula, il s'en va loin là. Ah, oh. Ah, j'avoue, il teste des trucs. Ah merde, je peux pas passer. Ah. Putain, les pommes, ça sert à quelque chose. D'accord. On a jamais été ici.
tu mets nous là? Alors s'il est là, où est-ce que j'appelle mon chien? Peut-être aller sur... Pas sûr. Si je tire là, il est pas censé aller à l'autre en face. Ouais, je vais le mettre là, mon chien. Mais c'est bien, là c'est un autre endroit qu'on n'a pas vu. Ça veut peut-être dire qu'il y a des choses aussi. Ah mince, le gamin il devrait passer par là. Ok. Et alors attends, je vais voir. Il y a plein de choses là. Ah, je vais pas pouvoir mettre mon chien. Ah, c'est la merde. Ça c'est Keblo. Là je peux passer. Ah non, je peux pas. Il s'est ouvert de l'autre côté, c'est un peu bête ça. Voilà, ça c'est ouvert. Ah donc ma voisine va devoir venir ici. Ah puis le gamin aussi. Il va devoir venir ici aussi. Je peux passer. Ah non, il veut pas tant que j'ai pas. D'accord, ok. L'oiseau est juste là. D'accord, ok. Normalement, je peux passer cette porte, hein, mais il me bloque parce que l'oiseau est toujours là. Allez, bouge! Ah merde, mon chien n'était pas sur le bon. Ok. Ok, donc on va appeler mon chien ici. Ah, tu bouges pas. Hein. Ah, mais comment il court? Je vais délirer. Voilà. Ah ah, on t'a eu, hein. Ah ah, merde. Ah oh, merde. Ouais, qu'ils repartent en arrière, par contre. Et voilà, je peux pas y aller là. Hein, on fait quoi là, mon gars? Mais merde. Bon. Ça va être galère parce que je pense qu'il faut qu'il aille à cet arbre là. Hop, les mon chien, je vais. Ok. Non, j'ai qu'un chien. Ici. Et bim. Ah mais il ignore totalement mon chien en fait. Oh, il faut le passer.
Oui. Ah, galère. Alors. Où est-ce que je pourrais mettre? Alors là, j'avoue, je triche, hein. Je regarde sur internet. J'ai pas envie de passer 3 heures non plus. Je regarde où il faut placer le chien. On se vénère, c'est normal. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Ah mince, je me suis trompé. Alors attendez. Ah, il est quel arbre? Il n'y a pas d'ombre. Il faut trouver l'ordre des arbres pour mettre chaque fois le chien au bon endroit. Mais je pense que c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'il aille à cet arbre-là, là, qui est là. À chaque fois. Merde.
Pas trouvé, hein. Ah là, il va pas pouvoir y aller. Super, allez. Ok, super. Là, c'est bon. Donc là, il est là. Mais... Ah, je peux pas mettre mon chien. Ah, il a un petit nid. Ok, donc là, je peux passer maintenant. Tu peux pas la donner à la voisine? Merde. Ah, donc il y a une corne. Donc elle va pouvoir prendre. Elle va pouvoir partir elle aussi. Ah, putain. Le gamin. Ah, du coup je suis coincé. Ah, oh, mais non. Attends. Je peux faire le tour? Ah, je peux faire le tour. Waouh, 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 waouh. Doucement, doucement. Ah, putain. De blague. C'est foutu là. Il est dans la paille, il est mort les gars. Ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas. Ouais, du coup, c'est pas bon. Mais il va rester là lui. Ouais, le gamin il s'en bat les steaks. Ouais, bah elle, ouais. En fait, faudrait que je joue avec elle du coup. Et que je joue avec elle. Ok, là il le cherchait. Parce qu'elle du coup elle va pouvoir prendre l'autre corde. Le petit, il a sa corde, pas de problème. Elle aura une corde. Je pense que l'autre pour l'oiseau, je sais pas comment. Ah. Oui, alors. Oui, voilà. Ah oui, il a ouvert le passage, donc du coup, il va falloir qu'elle aille par là. Ah oui, oui, là, oui. Pose, pose, je carton. Et le ciel a des souvenirs, elle est... Oui, on va aller chercher une corde. Là, c'est le passage qui vient d'où? Le chien quand même hein. Ah oui, il y avait un truc à elle là ici. Hop. Là par contre c'est pareil, c'est pot de fleurs, donc c'est exact qui va devoir bon. Le chien est là. Hop. Alors la corde, super. Je pense qu'elle peut aller l'aider quand même. Avec la corde juste. Oui. Eh oh, oh, oh.
Tu fais quoi là? Mais va l'aider! C'est une blague ou quoi? Mais t'es pas sérieuse! Je peux pas l'aider alors que elle lui balancerait la corde, c'était bon. Non mais c'est une blague. Mais c'est quoi ce... C'est quoi cette ville d'égoïste là? Mais non, tu vas pas pouvoir, il y a le... Ok, bah alors... super. Bref, elle va le laisser en galère. J'ai vu l'ambiance, hein. Ok, elle a trouvé la corde. Démerdée, hein. C'est pas un problème. Ah mince, il faut le gamin. On a que je rejoue avec le gamin pour ça. Ah oui, t'as la corde, va l'aider. Comment ça, quoi? Mais t'es pas sérieuse? Mais non. Il le laisse en galère. Mais non. Mais du coup les rochers ils tombent pas non plus puisque il est pas à l'endroit qu'il faut lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah si, il y a quand même des chutes de pierre. Comment ça? Pardon. Ah merde, c'est le chien! Oh mais putain, mais... Le chien qui fait ça! Ah là 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 là! Alors attends. Et là, faut qu'il débloque des choses. Donc, du coup, le chien, je peux pas le laisser tout seul en vrai. Et comme lui, il va débloquer le vase, je pense qu'après, je peux revenir avec Drawix et pourra passer sans faire le tour en fait. On va faire ça. Voilà. On aille par là, tout à fait. Ça y est, je saisis le jeu. Hein. Il y a des trucs. Il y avait peut-être des trucs. Oui, il y a des trucs. Ah mince, j'ai oublié celui-ci. D'accord. Bon, pète-moi les trucs là. Péter des trucs. Voilà, pète-moi tous les vases là parce que. Bon, c'est bien faire. Voilà, parce que je pense qu'après. On va passer avec Exa. Et... Voilà, normalement. Enfin, Drawix devrait venir là, mais voilà, c'est ça qui bloque. Hein? Donc, normalement là, c'est débloqué. D'accord. Cette porte là, je peux pas l'ouvrir, c'est bien dommage. Drawix pourra venir ici. Et là, c'est. Et...
moisi. Ah non, c'est Droix. Cette manie de mettre des pots de fleurs partout. Je ne sais pas qui les met, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, le gamin, il aime pas ça. Du coup, le chien, je peux pas le laisser tout seul. Alors, qu'est-ce que... J'enlève le cerf-volant ou... Comment ça se passe? Je joue avec le chien ou... Le chien, il... Le chien fait tomber des trucs. Ok, donc là j'ai tout. On va reprendre Drowix ou la voisine, parce que la voisine, du coup, elle a encore des trucs à aller chercher. Et j'ai oublié un souvenir à elle. Heureusement, c'est le chien qui est. Elle est partie. Ok. Alors. Ah, que d'émotion. Alors, on va reprendre la voisine juste pour son souvenir. Et ensuite, on va prendre Droix pour... Normalement, si je reprends, il n'est pas dans le foin, là. Il pourra passer par la porte. Juste... Son visage par contre c'était pas par là-bas. Terminer la journée, mais elle en a un autre. Ah, c'était Droix en haut, c'est ça? C'était... Oh là, oh là, oh là. Alors,
la corne. Elle peut passer maintenant. Hop. Incroyable. Et chacun pour soi dans cette ville. Alors. Et après, je prends trop vite. Donc là, normalement, on est. C'est la médaille, puis les touches. Je pense pas qu'on se retape l'oiseau. Ah si, mais non. Ah non, on doit recommencer. On doit recommencer, sérieux. Je sais plus où c'est que j'avais mis mon chien. Moi. Ah non, on avance, ok. Ah voilà. Donc là, du coup. Cache un souvenir. Ah bah voilà, on refait pas tout, ça c'est bien. Hop, plus. Mais... Hop. Maintenant, on va chercher donc la médaille. Donc là on fait pas le tour puisque le petit garçon est venu pour enlever le pot de fleurs. On va chercher le souvenir. Mais non, on peut pas le faire. Ok, et donc là, on va prendre la médaille. J'ai vu qu'il y avait des petits oisillons. Bon, il a récupéré sa médaille. Normalement, pas d'accident. Normalement, pas d'accident, les gars. Là, le chien, il n'a pas de raison d'aller là-bas. Tout s'est bien passé, là. Ah, voilà. On est débloqué. Ah, il fait un abri. C'est bien ça. Voilà, non, pas de cailloux. Ok. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Du coup. Elle est là, sa femme, alors. Ah,
handicapé. Et il n'y a pas eu d'accident, donc qu'est-ce qui s'est passé alors? Quelle est la cause? Il n'y a pas l'enfant. Il n'y a pas l'enfant. Il n'y a pas les cartons. Il n'y a pas la chute de pierre. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Ah merde, la pluie. Ah. Ouais, mais là, c'est indépendant. Là, tu veux faire comment? Je contrôle pas la météo, moi. L'orage. Et là, l'orage. Là, l'orage, j'y peux rien, là, mon gars. La fatalité, quoi, tu peux rien faire d'autre. Ah, le grand-père. Personnage très curieux, le grand-père. Au départ, il lui donne un cadeau et je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais... faire influencer la... Je vois pas en quoi il... Pourquoi il maîtrise l'orage, le grand-père, c'est quoi?
15h. Ah. Qu'est-ce qu'il a mis dans ce paquet? Je sais pas depuis le départ. Alors là ça va un peu mal parce que du coup Drowix tout ça ça a été fait et n'empêche que June ils ont quand même eu un accident à cause de l'orage et là je joue le grand-père mais je ne vois pas en quoi l'indiffère sur l'orage. Collection implantée, obligé de redémarrer le PC. Oui, voilà, c'est le cadeau qu'il lui donne au départ. C'est toujours pas ce qu'il y a dedans. Hein. Oh, le truc, il porte malheur, le vieux, ou comment ça se passe ? Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ok! Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça valait le coup de me faire chier alors! Attends, on repart depuis le départ là? Mais qu'est-ce qu'il a mis dans ce paquet? Putain, ça se trouve, c'est lui qui fout la merde là! Ah, là je joue le grand-père. Voilà, calme-toi avec la porte. Alors, bah, on va pas aller chez eux tout de suite. Non, 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 non. Pas aller chez eux tout de suite. Papy. T'es sérieux, tu peux pas enjamber le truc? Mais t'es sérieux? T'as pas une rentrée? Pas une porte derrière? Ah. Il avait une femme à lunettes qui aimait les fleurs. Ah bah c'est lui les putains de pots de fleurs! Dis donc le vieux là! Ouais ouais, tes pots de fleurs là! Le grand-père serait donc ça à l'origine, serait donc à l'origine de tous les événements futurs. Je sais pas. On pose une colle, mais en effet, c'est pas anodin. Il marche pas vite. Attends, on va le faire courir. Mais sérieux, mais hé hey, Mito, t'as pas besoin de ta canne. Hein. Mito, man, regarde-moi ça comme il gambade là. Hey, il gambade, il gambade. Ok. Donc c'est lui les pots de fleurs. Enfin, lui ou sa femme, peu importe. On va pas aller le voir tout de suite, on va... Il a une clé, moi, je veux savoir ce qu'elle ouvre. Il n'y pas son visage ailleurs. Combien de portraits, là? 16. On peut pas ouvrir ici? Il y a là, mes gamins. Hop, hop. 13 sur 20. Est-ce que c'est toi? Est-ce que cette clé? Ça m'intrigue. Est-ce que c'est... Ah putain, c'est lui. Oh, on a ouvert autre chose. Oh putain, c'est hier. Ok, super. Il était jour ici, comment ça se fait? C'est glauque. Ah,
Ah, c'est le fameux truc qui était barricadé, ok, on peut. Il est gardien du cimetière, le vieux? D'accord, il m'en manque un. Il faut absolument que je le trouve. Qu'est-ce qui brille? Ah, c'est le père de Droix. Ah, le père, dans le jeu, hein, j'entends. Ah ouais, carrément, lui, il a une... On rapporterait quelques... Ah, c'est sa femme. Et le rapport avec... Il marche très bien, hein. Il n'a pas besoin d'une canne. Hein. Ramener un ouvre-boîte. Ah, c'est pas ouvert. Ouvrir. Oh, je peux pas ouvrir. Mais c'est la maison de la voisine. Il me manque un portrait, hein. Ah, quoique... Dommage. Ah, les boules, il me manque vraiment un portrait. Même pas lui. Et dans X. Ouais, il cherche toujours l'oiseau, lui. Il fait tout. Ouais, je vais avoir le choix, il n'y a pas loin. Alors, il en manquera un. Alors. Ah, salut, Exa. Alors. Salut, le gamin. Alors, gamin. Ça va? Ah, c'est un cadeau pour moi. Mais non, c'est pas pour toi. Lâche l'affaire. Ouais, lâche l'affaire. Non, ça va, Exa. Les jours. Alors. Chelou. Elle fait que donner un cadeau, hein. What? Attends, tu fous vraiment la merde, le vieux, là? Mais non! Je vais pas faire toute la journée avec toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas bien, Waouh, qu'est-ce qui se passe là?
donc je ne peux pas passer par là. Waouh. Piste d'angoisse là. Alors qu'est-ce que... Oh là, oh là, oh là, oh là. De toute façon, la journée de merde, hein, quand même, hein. Pas dire, mais... Ah, il y a une corde. Bah, suicide-toi, le vieux. Ça va faire, suicide-toi, parce que... Voilà. Bientôt, ça va faire. Ah, je peux plus aller chez eux? Si. Et le mec insiste, hein, quand même, hein. Je pense que c'est pas... Ouais, donc c'est lui qui fout la merde alors. C'est pas bon encore. Ouais, il commence à me saouler lui. Et la musique devient de plus en plus intense, alors je comprends pas trop. Ah mais carrément, tu sors pas de chez toi le vieux. Ouais voilà, c'est ça, c'est reste chez toi. Il arrivera à rien. Voilà, c'est toi qui as foutu la merde. Alors, reste chez toi le vieux. Hop, rentre chez toi. On va faire ma double tour. Ne sort plus. Ah, le mec, il veut absolument donner son cadeau, quoi. Chaud, quand même. Ouais, c'est par là. Pas grave, j'insiste un peu. Hein. Tous les chemins sont longs pour lui donner son cadeau, en fait. Le mec, ouais, c'est ça en fait. Elle veut pas qu'il vienne. Le gars, il vient quand même, quoi. Ah ah ah. Pas qu'il vienne, quoi. Dieu qui a foutu la merde. Là. Ouais, mais. Ouais. Ben, je suis bloqué là. Je peux pas passer. Waouh, waouh, waouh. Waouh, l'église. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vais juste donner un cadeau, hein. Ah, il peut pas. Waouh, il y a la maison de la voisine qui vient de péter. Il y a la baraque à Drowix qui est... Ah ouais, quand même, c'est violent. Et porte malheur, le vieux, hein. Je vais tout de suite... Ah, il veut pas qu'il vienne, hein. Un chat noir, quoi. C'est vrai, Xa. Pas de problème, toi. Ah, tous les moyens sont bons pour qu'il arrive quand même. C'est encore moi. Je ramène un cadeau maudit. Ah, génial. Ah, c'est chaud, quand même. C'est chaud, c'est chaud. Ah. Toi aussi, tu dégages. Oh. Elle pleure. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tac le vieux, vas-y, roule-lui dessus. C'est lui qui est pas en couleur. Bizarrement.
Le touche pas, malheureux, le touche pas. Ah mais c'est la mort, le vieux, ou quoi? C'est quoi? Un cadeau. Ça, ça l'a réveillé, le tien. Il est parti chercher sa femme. Ah, hein. Ah, la voisine qui lui rend son ouvre-boîte. Salut. Elle a eu l'idée du pique-nique et tout ça est arrivé à cause de du vieux alors. Ah, c'est pas ça. Oula, la tour est. Et c'est papy. On te dit à tes souhaits. Rien que Blanche-Neige comme les mines. C'est inquiétant quand même, c'est angoissant là. Oh, paralysé. T'as sursauté. Tu as fait peur. Mais il y a Exa. Je vais faire avec Exa. Ah, soit tu joues au ballon avec Exa, soit il fait quoi, lui? Il est tout seul sur un tape-fesse? Bah non. Il joue au ballon. C'est triste qu'il soit tout seul. Il peut pas faire autre chose, le petit? La voisine. Ah oui, tiens, au lieu que tu viennes m'amener un nouveau boîte, je sais même pas quoi en foutre. C'est du vélo. Pourquoi pas. Et si on changeait. D'accord. Et si on changeait un petit peu ce qu'ils font. C'est triste. Il jouerait tout seul. Il serait pas devant sa fenêtre déjà. Et Drowix alors. Waouh, les trucs qui partent en lambeaux là. Donc au lieu de tirer sur l'oiseau, il ferait quoi? C'est moi ou il y a des pierres qui sont en train de tomber là? Il ferait des confettis. Bah tiens, ouais, ça peut être rigolo. Tiens, des confettis. Ah ouais, il faut recommencer avec le grand-père. Que ça change l'histoire? Qu'est-ce que ça change? C'est vraiment la mort qui arrive, quoi. Ah, du coup, elle arrive en vélo. Avec l'ouvre-boîte, bon, d'accord. Mais elle arrive en vélo quand même. Regarde-moi ça, le pauvre. Ah, si. Bien joué avec moi. Ah, du coup, elle lui donne pas l'ouvre-boîte. Très bien. Très bonne idée, voilà. Les deux, c'est très bien. Du coup, il passe sur l'oiseau. Ok. Ou lui il se réveille pas par contre. Mignon. Oui, donc du coup il la cherche pas puisqu'elle est là. Ça change rien en fait. Ça change rien. Ils sont toujours sur le ponton en fait. Toujours 15h, c'est fou, hein. On ne passe pas. Ah, ah, j'ai merdé quelque part. Donc je change encore. Sinon, je laisse le petit coup ici.
Même en changeant les éléments, ça change rien en fait. À un moment donné, c'est la fatalité, j'ai envie de te dire. Si c'était ça le destin, tu peux rien faire contre. Malheureusement. Faut que je change en vélo. Ah! Ça change là. Tel qu'il est. Sont sortis. Ouais, ça se fout la gueule. C'est pas ça, gamin. Du coup, elle n'a pas eu le temps de penser. Ah! Du coup, elle n'a pas eu le temps de penser à aller là-bas. Ah merde, c'est lui qui a eu l'idée? Oh mais non! Bah, c'est Fatality alors. Bah oui! Du coup, c'est lui qui a eu l'idée d'aller là-bas. Ah, mais non! C'est quoi le délire? Ah, ou alors. Oh là là, c'est d'une tristesse là. Ou alors, je viens de comprendre. J'ai compris. En fait, c'est. J'ai compris. J'ai compris pour. Elle est toujours pas là. Quoi qu'il arrive, ouais. Il arrive, papy. Sauf. Sauf si je pense que c'est. Sauf si tu prends ta place. Allez. Allez, j'ai compris. C'est parti. Oh papy, allez, c'est parti là. Hein. Pense que c'est ça. Ça se trouve, il y a une fin où c'est elle qui l'attend. Et plus là. Mais je pense que c'est ça. En fait, l'accident, lui, s'en est sorti. Bon, il s'en est sorti. Paralysé, mais il s'en est sorti. Sa femme, qui était enceinte, hein, je le rappelle, elle s'en est pas sortie. Et je me demande si il va pas faire un coup de Trafalgar. C'est-à-dire que il va pas piquer sa place, en fait. Alors, elle s'en sort, mais pas lui. Oublié? Ah oui, tiens, bah oui, vas-y, on oublie. Allez hop, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Oh putain, il est vénère. Oh là, il a pété un plomb. Ah ouais, il a la rage. Ok. Wouah! Allez! Oh putain. Ah la folie. Ah bah tiens. La scène, il en parlait la dernière fois que j'ai joué. Et ça y était pas, ça. Le monde personne, il y était pas.
Ah, l'héritage, d'accord. Ah, c'est ça. C'est la chambre de leur enfant. Ah, elle est plus là. Elle qui a fait ça? Oula, attendez, attendez. Voilà, putain, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Porte-malheur. On est revenu au début. Ouvre-le, s'il te plaît. Et ça se fait des bisous. Les merdes, l'orage. Ça change rien en fait. Tu veux pas aller plutôt ouais, viens, on va faire du toboggan. J'ai pas envie de rentrer, je sais ce qui va se passer. Non mais je vois que ça. En vrai, je vois que ça. Ah oui, c'est ça. Faut pas que je conduise en fait. On reste là. Soit c'est pas moi qui conduis. Ouais, c'est ça. Et il veut pas. Ah, c'est ça, ils échangent leur place. Donc, du coup, c'est lui qui est là alors. Ah, comme quoi, tu peux pas vraiment changer le destin, quoi. Juste quand même. Ah, si, si, faut que tu lui dises. Si, si, dis-lui, dis-lui. Tu fous, dis-lui, putain! Qu'est-ce qu'il fait? Mais si, si, dis. Pourquoi il veut pas lui dire? Dépêche-toi! Ah!
Attendez. Moi qui joue. Là, je joue papy. S'en est sorti. Je pense qu'elle s'en est. Ouais, c'est ça. Donc il s'est sacrifié pour que sa femme vive et leur enfant, du coup. Oh putain, ce cadeau! Jette-moi ce putain de cadeau! Y a quoi dedans? Des fleurs. Merde, c'était quoi ce cadeau? Ah. Donc papy brosseur est mort. Ouais, c'est ça, et elle est enceinte. D'accord. Bon petit jeu, mais qui n'empêche pas vraiment changer le destin. Hein. Même si tu le changes, t'as toujours aussi triste, malgré les choix. Ah putain, le cadeau. Je sais pas s'il y a une fin où justement tu peux sauver les deux, ça m'étonnerait quand même. Je ne sais pas. Ah bah la voisine est toujours là?
Heroics. Oula. Ah ouais, d'accord. On mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Il aime pas forcément tuer les animaux. Hein. Oh putain, le vieux. Bon, est-ce que lui, il va nous montrer ce qu'il y avait dans le paquet? Ah, sa femme, avec des pots de fleurs. Vous foutez de moi le souvenir, c'est 2 secondes d'écart? Là, elle est avec le pot de fleurs. Il l'aide avec le pot de fleurs. Il n'y a pas d'autre souvenir que ça? Oula, ah oui, d'accord. Et donc, il a continué. Et donc, Eh ben, dis donc. On dirait le chasseur de Jumanji. C'est pas faux. Donc, le chapeau, quand même. Et ben, voilà. Et ben, très bon petit jeu. Merci à tous, enfin, surtout à Poltage et à Papy d'être restés jusqu'au bout. Merci à Glacial qui a fait un passage et à Loki. Merci à vous d'être passés et puis ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à très très bientôt sur un autre jeu. On a toujours Metro Exodus. On a aussi du WoW avec Papy à jouer. Et très 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 prochainement, sous quoi? Une semaine, 2 semaines max, il y aura un stream Deux exceptionnel. max. Comment? J'ai pas entendu. Dans 2 semaines, donc on me confirme. On me confirme, oui, c'est confirmé. Dans 2 semaines, il y aura un stream exceptionnel. Donc la rediffusion du premier JDR fait avec un groupe. Donc qui est composé de Hexa. Oui, ensuite, il y avait qui? Oui, mais c'était qui? Donc il y avait Hexa, il y avait. On se souvienne. On n'est pas au point, hein, parce que ça fait longtemps déjà qu'il Non, l'a parce que les deux enregistré. groupes, j'ai pas envie de les mélanger. C'est Hexa, Glacial, Hexa, Glacial, Shaolan, Tito. Kaolan et Titours qui ont joué. Donc, une histoire que j'ai écrite et que Papy a mis en image. Et donc, tout ça sera en stream. Donc, c'est déjà enregistré, mais on a envie de le stream pour vous le montrer, pour avoir des échanges avec vous en direct aussi. On parlera pas Voilà. audio, on Oui. laissera le truc, mais On on pourra aller ne parler parlera écrit. pas, mais on fera une interaction par écrit. Et plus tard, donc, il y aura aussi le deuxième groupe qui est composé de Shaolan. Non, pas Shaolan. Autant pour moi. De Spardar. GDKL. Spardar, GDKL, Tito. Non, pas Non. Titours. Pulpito et Jim Morissia. Ouais. Donc, pas très drôle aussi. Donc, sur la même histoire, mais pas forcément. Je ne sais pas, parce que moi-même, je ne les ai pas vus. Pas forcément avec les mêmes chemins ou les mêmes actions. Ah, je Voilà, comprends voilà. plus pareil. Donc je vous embrasse tous, passez un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.